Salut tout le monde, c'est Best of War. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu. Oui et non, parce que il va s'agir tout simplement d'un chiffre, 1000 trophées. Alors c'est pas énorme. Je me rends bien compte qu'il y a des personnes qui en ont juste énormément plus, mais voilà, je trouve ça sympa de vous préparer quelque chose pour les 1000 trophées, même si ça ne vous apportera rien, ça ne m'apportera rien non plus. Mais voilà, et en plus ça me faisait une petite vidéo un petit peu différente des autres, vu que celle-ci sera sur GTA 4. Liberty of... non, épisode from Liberty City, pardon. Et c'est dans Gettoni, donc voilà, ça c'est Luis Lopez, notre petit héros. Pour ce 1000ème trophée, il me restait en fait un base jump à faire, et donc je vous ai préparé cette vidéo justement. Alors je la commente pas en live, simplement parce que j'ai pas eu l'occasion de la commenter en live, mais je l'ai filmée, c'est déjà pas mal. Donc voilà, je vais monter sur le toit et on va tout de suite aller faire un petit tour dans les airs, et puis vous allez voir, c'est que du bonheur pour ceux qui connaissent pas. Franchement, si vous achetez les épisodes de Liberty City, c'est un autre jeu. Franchement, parce qu'il y a plein de nouveautés qui sont reprises de San Andreas et tous les trucs comme ça, et c'est vraiment génial. Alors, il n'y a pas les avions, évidemment, mais voilà, là, vous allez assister à un saut en parachute. Et je trouve ça vraiment sympatoche comme proposition pour vous, quoi. Donc voilà, ça vous fait un petit peu de variété, n'est-ce pas? Alors, je vais vous expliquer un petit truc, c'est que ça fait à peu près un mois que je travaille sur la vidéo 10 000 abonnés, parce que oui, ils approchent, là on doit être à 9850, un truc dans le genre. Faut savoir que la vidéo 10 000 abonnés, il y en aura 3. Et je me casse, je me casse le cul, enfin, ça me fait plaisir, hein, y a pas de problème. Moi, c'est mon petit plaisir de faire des vidéos. Mais donc ça me demande vraiment beaucoup de boulot, c'est ça que je veux dire. Et j'ai peur qu'en fait, le fait de sortir 3 vidéos en même temps, mais ça ne soit pas vu, quoi. Et moi voilà, j'aimerais bien pour les 10 000 que... Vraiment remercier tout le monde, et pour remercier bien tout le monde, faudrait que tout le monde le voit en fait. Bon, ça c'est pas possible. J'en suis tout à fait conscient. Mais voilà, j'ai remarqué qu'il y a une grosse partie des abonnés, donc comme je vous l'ai dit il y a même pas une minute, 9800, voilà, je me fais en moyenne 3 000 vues par vidéo lors de sa sortie. C'est pas énormissime, hein. On va être franc. Je sais que la plupart d'entre vous voulez du Modern Warfare 3, il n'y a pas de problème, je le conçois tout à fait. Mais moi j'en ai ma claque de Modern Warfare 3 comme beaucoup d'autres personnes, et il y a beaucoup d'autres personnes qui vous proposent encore des vidéos mais des gameplays qui vous plaisent pas. Et moi j'ai pas envie de pardon, j'ai pas envie de vous proposer des gameplays qui vous plaisent pas, tout simplement parce que mon but c'est de vous divertir et de vous faire plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous propose pas des gameplays de Modern Warfare 3, parce que ça m'énerverait tellement que je finirais par jouer au lance-grenade et au bazooka. Enfin non, non, tout simplement non. J'y joue pas tout court, c'est plus simple, parce que quitte à pas s'énerver, ben voilà. C'est beaucoup plus simple de ne pas y jouer. Parce que oui, ce jeu me saoule. C'est pas le jeu, hein, c'est les gens qui. Ce sont les gens qui sont dessus et qui font n'importe quoi. Bref. Voilà, donc là je passe dans mon dernier cercle et je vais tout de suite atterrir. Boum! Je vais tout de suite atterrir dans le cercle qui est par terre. On va essayer de faire un 100%, mais voilà, j'y suis pas arrivé, je suis tombé à côté. Ça me fait un petit 85%. C'est plutôt pas mal. Regardez en haut à droite. 3, 2, 1. Clink, s'il vous plaît. Voilà, très bien. C'est un bête trophée en bronze. Au départ, je voulais vous proposer le trophée de platine de Dirt 3, mais bon, c'est un petit peu galère. Il me reste 5 niveaux à faire en multi et je l'ai, le platine. Malheureusement, les 5 niveaux qui me restent, il faut 100 000 fans et vous gagnez à peu près 1000 fans en finissant premier par course, quoi. Donc, c'était un petit peu hardcore de vous proposer un truc pareil. Bon, synchronisation des trophées, ça c'est tout le temps quand je vais aller dedans. Au fait, moi j'arrête pas. Dès que j'ai l'occasion de me faire un trophée, bah, je m'en fais un, mais voilà, c'est ça. C'est le chargement pour voir ces trophées. Alors quand vous savez pas qu'il vous faut un truc et tout et que vous voulez aller voir ça. Ah! C'est énervant. Bref. Le chargement va se finir et voilà, on va voir tout de suite. Voilà. Tac, ça charge. Et on va voir 1000 trophées. Voilà. C'est en soi pas énorme. C'est pas un accomplissement. C'est clair et net. Mais bon, vous voyez 6 platines. Alors il y a 3 platines, je crois, qui sont d'Assassin's Creed. Voilà, les Assassin's Creed, moi je les ai fait à 100%. Il y a juste le Assassin's Creed 1 que j'ai pas fini à 100%. Sinon, Assassin's Creed Brotherhood, je crois, oui. Il me reste encore quelques trucs à faire. On fait une petite transition sur Luis Lopez. Il va monter dans sa voiture et là on va aller fêter ça, hein, parce que bon, 1000 trophées, voilà. On va aller fêter ça tout de suite en boîte de nuit, mais pas n'importe quelle boîte de nuit. Je vous ai pris une petite boîte de nuit. Ça fait beaucoup de boîtes de nuit, je sais. Je vous ai pris une boîte assez sympa. Pas une boîte où on va aller faire l'amour avec des meufs ou quoi, donc là on a passé le trajet. On va aller au Hercule. Pour ceux qui ont le jeu et qui connaissent, cette boîte est excellente. Dans le sens où, regardez juste la file, vous devriez comprendre ce qui vous attend à l'intérieur.
Voilà, vous voyez, il y a des mecs bien habillés, en débardeur, avec des mini-shorts et tout. Oui, nous sommes dans une boîte gay. C'est une boîte gay. Nous rentrons dans la boîte gay et nous allons danser avec les gays. Parce que... Voilà. À chaque fois que je rentre dans cette boîte, je pouvais pas m'empêcher de rigoler. C'est leur tenue, quoi. Et leur façon de danser, c'est... No comment. Bon. Je vous jure, c'est énorme. Regardez le gay là à gauche, Omar. Ça me fait rire. Il y a trois meufs, je crois, dans toute la boîte de nuit. Et celle-là, c'est la plus potable. Même plus que potable. Et évidemment, Louise. Dès qu'il a une occasion de y aller, il y va. Voilà, on va danser en rythme. Et on va faire la chorégraphie. Donc voilà, ceux qui connaissent pas, je voulais ça, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Je voulais vous montrer la chorégraphie. Parce que dans cette boîte de nuit, il y a une petite chorégraphie en groupe sympatoche à faire. Donc voilà. La danse, bah, c'est pas compliqué, vous voyez en bas à gauche le baffle, faut taper l'analogique vers le haut, enfin dans n'importe quelle direction en rythme, et puis appuyer sur L2 et R2 en rythme, toujours. Voilà, donc là vous voyez, on a passé un petit stade de la danse, elle va se rapprocher de vous, elle va vous faire du frotti-frotti avec ses fesses. Sympatoche. Bon, pendant ce temps-là, je mate le gars à gauche avec les bottes roses. Il est stylé, hein. Y a rien à dire, ses bottes, mais regardez. Il est à fond dedans, lui. C'est excellent, j'adore cette boîte. Parce que le pire c'est qu'ils... Vous savez, vous, quand vous entendez une musique, vous bougez un petit peu la tête, vous tapez du pied, mais eux, ils le font aussi, hein, pas de problème. Mais ils exagèrent le mouvement, donc faites-le, mais en bougeant le torse et tout en même temps, un petit peu abusé, en levant la main, en faisant des petits moulinets avec la main et tout, tous les trucs comme ça. Voilà, là, la chorégraphie, elle va être... la chorégraphie solo va être terminée. Et là, écoutez la musique qui va passer. C'est comme dans les mariages, hein. Il y a une excellente musique qui passe, vous êtes tous contents, vous courez sur la piste de danse, hein, faites pas genre, vous l'avez tous fait. Voilà, les trois filles, les deux jumelles à gauche et... Et la troisième qui est à fond dedans là, elle veut y aller. Allez, c'est pas de problème. On va tous danser ensemble, avec les gays sur la scène là-bas. Le gay tout à gauche avec ses chaussures roses. Ils sont trop bien modélisés, les gays, c'est abusé. Je vous jure, quand je suis arrivé là-dedans la première fois, je me suis claqué une barre. Vous imaginez même pas. C'était vraiment excellent. J'étais mort de rire, j'étais là, mais c'est quoi ce bordel et tout? Regarde le gay là-bas derrière. C'est excellent. Ça vous fait peut-être pas rire, mais moi je vous jure, c'est trop drôle. Ah purée. C'est un univers totalement déjanté, quoi. Moi je pensais vraiment pas tomber là-dessus. Je pensais que ça serait un petit peu la guerre des gangs et tout. Et puis là, on peut faire des chorégraphies avec des gays, quoi. Je vous jure, c'est énorme. Il y avait un mec sur Facebook. Il m'avait envoyé un message. Il m'avait dit. Parce que j'avais mis faire une chorégraphie dans une boîte gay. Si ça c'est pas la classe, un truc dans le genre, et il avait commenté arriver avec un fusil à pompe et tuer tous les gays, si ça c'est pas la classe, alors non. Non, je fais pas de blague du genre. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a un commentaire qui va être comme ça, mais non, j'ai absolument rien contre les gays. Hein. C'est clair et net. Moi je trouve ça juste fun quoi. Moi les gays, vous savez, je connais des gens. Je connais quelqu'un qui est gay. Et ces gens-là, ils sont plus fun que nous en fait. Ils sont moins coincés. Et je trouve ça pas mal des fois de traîner avec des gens comme ça. Et parce que vous pouvez vraiment rigoler. Hein. Franchement, c'est souvent les plus drôles. Donc voilà, j'ai réussi la chorégraphie. On va tout de suite se diriger vers la sortie. Je pense que je vais prendre un shot, je suis pas sûr. En attendant, je vais les laisser danser tranquille. Ils se claquent des barres en faisant bouger leurs pieds et tout. Hop là, à gauche, et la fond dedans. Ouais, il me semblait bien, je vais prendre un shot pour la route. Vous avez même le barman, c'est le mec dans Tekken là. Il lui ressemble, il est basé et tout comme lui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, dans très très bientôt, il y a trois vidéos en même temps qui débarquent. Dites-moi si vous allez les regarder vraiment. J'aimerais. C'est un gameplay, un top 10 et une vidéo remerciement. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ben, j'ai cours. C'est chiant les cours, mais bon, voilà. Ma voiture a disparu, on me l'a volée. Comme d'habitude, quand tu rentres dans une boîte de nuit, tu ressors, elle est plus là. Je vous dis à très très bientôt. Ciao tout le monde. Bye bye.